parole. Je retiens en tout cas une phrase importante aussi de ce que tu as dit, c'est que la nature a horreur du vide et que ce n'est pas uniquement l'accord à Iva et Gomez qui contraint Gomez, c'est aussi que l'absence d'initiative ne s'approche pas et qu'il y a des réflexions sûrement à avoir à cet égard. Toute réflexion doit s'inscrire dans l'histoire, et l'histoire de la radioprotection, c'est ce que va nous raconter maintenant, nous résumer maintenant. Paul, je lui donne la parole. Merci Marc. Bonjour à tous. Je voulais te présenter Paul Lanois, tu es scientifique de formation, tu es ancien fondateur du parti Écolo en Belgique et tu as été député du Parlement européen pour le groupe des Verts. Bonjour à tous. C'est vrai, je vais vous parler un peu d'histoire, parce que je crois que si on ne connaît pas l'histoire, on risque de commettre les mêmes erreurs que ceux qui nous précédaient ont commis. Et ça permet aussi de mieux comprendre le fonctionnement de la société actuellement, de savoir d'où on part. Depuis la fin du 19e siècle, on sait que la radioactivité est dangereuse. On connaissait déjà les rayons X, on s'est rendu compte que ça avait des effets potentiellement dévastateurs, et tout ça s'est confirmé dans la suite. Dans les années 20, une commission internationale a été mise sur pied, qui s'appelait l'International X-ray and Radio Protection Commission, qui s'occupait à l'époque uniquement de ce qu'on connaissait, c'est-à-dire les rayons X et aussi les propriétés du radium qui étaient utilisées médicalement. L'image globale de la radioactivité dans l'opinion à cette époque était extrêmement positive. Et vous allez peut-être en sourire, mais dans les années 30, on vantait la présence de substances radioactives dans les produits. Notamment, on mettait sur le marché des crèmes pour la peau qui contenaient de la radioactivité. On disait, contient de la radioactivité, c'est positif. Les eaux minérales radioactives étaient promotionnées. Dans ma ville où j'habite en Belgique, il y avait une source d'eau radioactive, parce qu'il y avait du radon dans le sous-sol, et on trouvait ça très bien. Celui qui commercialisait cette eau en faisait la promotion. Il y a eu ensuite la deuxième guerre mondiale qui s'est terminée par le désastre de Hiroshima et Nagasaki, et l'image du nucléaire en a un peu pâti quand même. Moins qu'on pourrait le croire, parce que moi je suis né à cette époque-là, et je peux vous dire que dans les années qui ont suivi cette deuxième guerre mondiale, dans l'opinion publique en général, l'image du nucléaire n'était pas si négative que ça. On disait que ça avait permis de mettre fin à une guerre. Discours complètement fallacieux, mais qui passait depuis de nombreuses années sur le terrain, mais aussi en se basant sur les propriétés chimiques et physico-chimiques de toute une série de radioisotopes qui sont disséminés dans l'environnement et qui se retrouvent dans les organismes vivants. Au début des années 60, lorsque la CIPR venait d'émettre ses premières recommandations, on était en pleine guerre froide. Et cette période a été considérée par beaucoup de scientifiques comme une période très noire. La CIPR n'a pas bougé pendant toute cette période où on a multiplié les essais dans l'atmosphère et où on a disséminé des quantités impressionnantes de radioisotopes potentiellement cancérigènes et mutagènes dans l'environnement, provoquant des centaines de millions de morts. Il faut quand même le dire, bien qu'il n'y ait pas eu d'études officielles à ce sujet, les évaluations qui ont été faites, notamment par le CERI, montrent qu'on a largement sous-estimé les conséquences dramatiques de ces essais atmosphériques. Et la CIPR n'a pas bougé. Un de ses anciens dirigeants, Carl Morgan, qui est une personnalité tout à fait respectable, a dit à l'époque que la plupart des membres de la CIPR travaillait directement avec l'industrie nucléaire militaire. Ils recevaient l'essentiel du financement de leurs travaux de recherche de cette industrie. Sans doute ont-ils renoncé à mordre la main qui les nourrissait. Ce sont les propres propos de Carl Morgan, qui était un des responsables éminents de la CIP. Donc il dénonce lui-même le fonctionnement de cette institution et à juste titre. Je passe sur le problème des mines d'uranium. J'ai remis un texte aux organisateurs, donc ceux qui sont intéressés peuvent le lire, mais je vais commenter.
À l'époque, on exploitait avec beaucoup d'avidité les ressources en uranium pour alimenter l'industrie militaire et pour commencer à alimenter l'industrie civile. Et les risques liés à la contamination par les poussières d'uranium et par le radon ont été laissés de côté aussi par la CPR qui ne s'en est pas du tout préoccupée. C'est seulement après de longues années qu'elle est intervenue. Donc, défaillance encore une de la part de cet organisme. En 1977, on se rapproche doucement de l'actualité. Dans sa publication 26, la CIPR recommande de nouvelles valeurs limites d'exposition aux radiations. Et à la même époque, un travail considérable a été mené par trois scientifiques sur les travailleurs de l'usine de plutonium de Hanford aux États-Unis, qui ont montré qu'après une dose cumulée de 30 millisieverts au cours de leur carrière provoquait le cancer. On constatait pour cette dose cumulée de 30 millisieverts sur toute une carrière qu'il y avait manifestement un effet cancérigène sur les travailleurs du nucléaire. Or, la norme à l'époque, la limite de dose, c'était 50 millisieverts par an. Donc vous comparez 50 millisieverts par an à 30 millisieverts sur une carrière, c'est significatif de la sous-estimation. Plus tard, en 1991, je parle en belge, je ne sais pas comment je suis en Suisse, je crois que je peux me permettre de le faire. En 1991, la publication 60 de la CIPR, qui est toujours celle qui a fixé les valeurs limites en Europe et en Suisse aussi, puisque la Suisse fait partie de l'Union Européenne, mais je crois que les valeurs limites sont les mêmes partout, puisque c'est la CIPR qui est l'organisme de référence. Et déjà, dans cette publication, la CIPR reconnaissait un certain nombre de lacunes dans les valeurs limites qui étaient proposées. Notamment, elle disait que les effets sur la santé reproductive étaient difficiles à prendre en compte, que le fœtus et les jeunes enfants étaient reconnus comme plus vulnérables, mais ça ne se traduisait absolument pas par de nouvelles propositions en matière de valeurs limites. On propose les mêmes valeurs limites, que ce soit pour les fœtus ou les adultes. Donc, il y a là quand même une carence extraordinaire de la part d'un organisme qui est chargé de dire la vérité à tous ceux qui s'occupent de radioprotection. En outre, le caractère grossièrement simplificateur du modèle de calcul de l'impact d'une contamination interne, modèle qui a été mis à mal par Chris Busby et toute une série de scientifiques, dont M. Yankov, qui est aussi présent aujourd'hui, ce modèle-là reste toujours en vigueur. Et encore aujourd'hui, il est en vigueur. La directive européenne qui fixe les valeurs limites date de 1996, elle est toujours en vigueur. Donc on est en train d'essayer de la modifier, mais pas les valeurs. On modifie quelques détails périphériques, on ne touche pas au cœur même des propositions. Alors, il se fait que depuis maintenant une vingtaine d'années, 25 ans même, un certain nombre d'enquêtes épidémiologiques ont été menées autour de sites nucléaires, à Sellafield en particulier en 1983, mais il en a suivi une série dans les pays anglo-saxons, et aussi en Suède, en Allemagne, et on a mis en évidence que le modèle de risque de la CPR n'expliquait pas les conséquences mesurées. Et les conséquences mesurées, c'était essentiellement un taux de cancer chez les enfants plus élevé que la normale. Donc, ce taux de cancer ne pouvait s'expliquer qu'avec des doses qui auraient été 100 à 1000 fois plus importantes, ce qui est énorme. C'est pour ça qu'on conclut ici quelques actions. J'arrive tout doucement à la conclusion, Marc. Toutes ces études épidémiologiques sont ignorées par la CIPR et continuent à l'être. Alors, plus grave, mais là, d'autres que moi en parleront mieux, Tchernobyl a donné lieu à d'innombrables publications. C'est vrai, une bonne partie en langue inaccessible aux scientifiques occidentaux, ce qui ne les disqualifie pas du tout,
mais en tout cas, mais aurait mérité une attention beaucoup plus précise et beaucoup plus soutenue. Or, cette attention n'a pas eu lieu du tout. On a ignoré, jusqu'en 2007, les derniers travaux de la CIPR, on a complètement ignoré toutes les études menées sur les sites les plus contaminés, que ce soit en Biélorussie, en Ukraine ou en Russie. Or, de ces études, une série de conclusions scientifiques qu'on peut considérer aujourd'hui comme incontestables se sont imposées. Je ne vais pas les détailler parce que je n'ai plus le temps, mais vous en entendrez parler tout au long de la journée, notamment le fait que la sensibilité particulière des fœtus et des jeunes enfants doit être prise en compte, et notamment le fait aussi que les maladies qui ne sont pas seulement le cancer mortel ou les effets génétiques doivent aussi être prises en compte. Les dommages de la radioactivité, c'est notamment le vieillissement prématuré d'un organisme. Ça a été largement mis en évidence. Alors nous avons des données plus récentes, deux études épidémiologiques menées en Europe, en Allemagne et en France, 2007 et 2012, confirment qu'au voisinage immédiat des centrales nucléaires, le risque de leucémie et de cancer chez les jeunes enfants est plus élevé et nettement plus élevé. Que font les scientifiques sur base des travaux de la CIPR aujourd'hui? On ne peut pas contester qu'il y a une corrélation statistiquement significative, mais on n'explique pas. Et on ne peut pas dire que c'est à cause du site nucléaire. Mais alors, c'est quoi? Quelle est la cause? Il reste muet. Personne ne répond à ça. Ils disent que ce n'est pas nécessairement nucléaire. Et c'est vrai qu'une corrélation, ce n'est pas scientifiquement parlant une relation de cause à effet, mais quand la corrélation devient systématique, ça commence à peser. Et là, les scientifiques sont muets parce qu'ils n'osent pas remettre en cause le modèle. Donc c'est le grand mérite du CERI d'avoir remis ce modèle en cause, et je considère pour ma part que c'est une des tâches essentielles du mouvement antinucléaire et de vous tous ici de faire connaître ces travaux et de s'en servir comme arme politique vis-à-vis de l'establishment scientifique, qu'il soit national ou international, c'est-à-dire la CIPR, mais aussi l'OMS. Que l'OMS fait le mort, mais c'est évident que si on lui met en dessous du nez une série de travaux qui remettent en question le modèle qui les inspire, on ne peut que citer un certain malaise. Alors, quelles conclusions tirer de tout cela? Tout d'abord, un, que le modèle d'évaluation des risques de la contamination interne doit être impérativement revu. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus scientifique. Le modèle proposé par Chris Busby et les autres ne fait pas consensus, mais il fait d'autant moins consensus qu'il n'est même pas pris en considération. Donc, il faut absolument provoquer le débat sur base des études épidémiologiques qui ont été réalisées, sur base des analyses physico-biologico-chimiques qui ont été proposées par Chris Busby et les autres. Et il faut absolument, à tous les niveaux institutionnels, provoquer ce débat. Et je trouve qu'il y a une très grande faiblesse, je le dis clairement, de la part du mouvement anti-nucléaire, et je ne m'en ressors pas, j'en fais partie. Nous avons été trop timides sur ce dossier, nous n'avons pas réussi à provoquer vraiment le débat. Or, il est plus que temps de le faire, parce que quand je vois le comportement de tous les responsables européens aujourd'hui, je me dis qu'ils ont déjà oublié Fukushima. Pour ça, on ne peut pas laisser faire, on doit absolument hausser le ton de façon très, très radicale, et en se basant sur des travaux dont la qualité est incomparablement supérieure à celle qui sert de base aux valeurs limites aujourd'hui proposées. Il faut remettre en cause, et j'en termine, les principes de base de la radioprotection qui font de l'industrie nucléaire une industrie à part. On considère qu'elle peut polluer, alors que si on prend la déclaration de Rio de 1992, qui devrait être confirmé maintenant dans quelques jours, puisqu'il y a Rio plus 20 qui se tient au mois de juin ici, le principe de précaution est le principe fondamental en ce qui concerne la contamination et la pollution, quelle que soit son origine. Il n'y a pas de raison de mettre la radioactivité à part. Donc il faut que le principe de précaution soit le principe dominant et non pas le principe de justification, de minimisation des doses et de limitation, qui sont des principes
qui servent à protéger l'industrie nucléaire, mais en aucun cas à protéger les populations et même les travailleurs du nucléaire. Donc, c'est ma conclusion. Arrêtons d'accepter implicitement, sans le dire nécessairement, que la radioprotection est efficace. La radioprotection protège avant tout l'industrie nucléaire. Elle ne protège pas les populations. Donc il faut absolument inverser cette logique et la combattre de façon radicale. Merci. Merci Paul et merci d'avoir essayé de tracer des pistes justement pour notre débat tout à l'heure, ça me paraît très important. Ce qui ressort aussi, moi j'aime bien sortir chaque fois de phrase de chaque exposé, c'est dans l'histoire de la CIPR, si la CIPR a été amenée à réviser régulièrement à la baisse pour adurcir les normes, c'est sous l'effet souvent de personnalités au début considérées comme dissidentes. Ça c'est très important dans l'histoire et il y en a qui sont ici et j'espère qu'ils auront peut-être le même effet, le même résultat sur les normes internationales que ce que leurs illustres prédécesseurs, que ce soit Lee Stewart ou d'autres, ont eu par le passé. C'est une espèce de règle qu'on constate dans l'évolution des organisations internationales. Merci aux auteurs. Moi-même, je vais céder ma place à André Larivière, qui va modérer la partie suivante de la matinée et vous présenter les interlocuteurs. 2 minutes d'arrêt, mais ne sortez pas, on continue tout de suite.